En mission de sensibilisation dans les îles du lac Tchad, le gouverneur de la province du lac Adam Moustapha Brahimi s'est rendu au camp de sous-secteur de Koulfoua, où il a eu une séance de travail avec les responsables forts de défense et de sécurité. Objectif, galvaniser les troupes en opération dans cette partie du pays à bien accomplir leur mission. À travers cette rencontre, Adam Moustapha Brahimi veut renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Une occasion tout indiquée pour le commandant du sous-secteur de Koulfoua, le colonel Mohamed Borgo, de présenter le schéma cartographique de sa zone de responsabilité. Après avoir suivi attentivement les présentations, le gouverneur de la province de Lac Adam Moustapha Brahimi a, au nom du président du Conseil militaire de transition, félicité les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et leur détermination à combattre les ennemis de la paix. Chers frères d'armes, je l'ai dit, la mission n'est pas facile. Mais votre engagement prime sur cette difficulté. Alors, je vous exhorte encore à la vigilance. Notre responsabilité, c'est d'amener la sécurité à la population. Adam Moustapha Brahimi a déclaré que la province du lac est confrontée à plusieurs difficultés, parmi lesquelles la sécurité des personnes et de leurs biens demeure une priorité. C'est pourquoi il a exhorté les éléments de force et de sécurité à redoubler la vigilance pour déjouer le plan de l'ennemi.